C'est en partie sur ses épaules que reposera la charge de la transition. Noureddine Bédoui, 60 ans, a été nommé Premier ministre par Abdelaziz Bouteflika, qui l'a chargé de composer un gouvernement. C'est un homme de confiance du président algérien qui prend les rênes du pays. Encarté au FLN, ce haut fonctionnaire débute sa carrière comme préfet dans la région d'Oran. En 2013, il est nommé ministre de la formation professionnelle, poste qu'il occupera jusqu'en 2015, où il est propulsé au poste de ministre de l'Intérieur. Pourtant, le futur Premier ministre ne gouvernera pas seul dans cette période de transition. C'est un duo qui dirigera le pays. Noureddine Bédoui sera accompagné d'un vice-premier ministre, Ramtane Lamamra. Ce dernier occupera également le poste de ministre des Affaires étrangères, fonction qu'il a déjà occupée de 2013 à 2017.